Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 9 août aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance. On va aller chercher un petit message. J'ai vu ce matin au réveil, la première chose quand j'ai ouvert mon téléphone, une des premières choses en tout cas, sur Instagram, une publication en disant « Aujourd'hui c'est la Saint-Amour ». J'ai trouvé ça merveilleux et je me suis dit « Bon ». Eh ben, on va aller parler d'amour aujourd'hui. Du coup, si c'est la Saint-Amour, c'est pas la Saint-Valentin, ok? Mais c'est la Saint-Amour. Du coup, on se dit, allez, on se fait un petit message love love. On va aller demander au guide un petit peu ce qui va se passer pour dans le sentimental, pour moi, pour vous, enfin voilà, pour les humains en général. Allez, du coup, pour ça, j'ai pris 3 oracles. Aujourd'hui, j'ai pris le Power of Love. Power of Love, forcément, si on parle d'amour, on va prendre le Power of Love. J'ai pris l'oracle des contrats d'âme aussi, du coup, qui est un oracle sentimental de Stéphanie Abellan. Et j'ai pris mon bébé à moi, même s'il n'est pas spécialement pour le sentimental. Le deuxième le sera, mais le premier est général. Mais il y a quand même des belles cartes niveau amour. Du coup, puis c'est mon bébé à moi, donc j'avais envie de le prendre. Donc ça, c'est un tirage très girly parce que j'ai pris... Bon, après, les oracles, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui sont faits par des femmes. Mais là, je les trouve spécialement girly, ceux-ci. Donc voilà, par exemple, ceux d'Isabelle Serre, qui est une femme, je les trouve moins girly. Je les trouve plus, en fait, dans la matière et elles vont plus donner des choses au niveau des blocages, même si bien évidemment là aussi, mais puis le contrat d'âme aussi, mais pas de la même manière. Donc parfois je trouve que, par exemple, c'est l'oracle chakra du cœur, je le trouve un petit peu il va aller vers voir ce qu'il cherchait, toujours un petit peu le négatif, et du coup là j'ai pas envie. Du coup on va pas le prendre. Allez, du voilà, il y a des énergies dans les oreilles des créateurs hein, aussi. Alors je dis pas qu'Isabelle Serre est négative hein, mais je pense que effectivement c'est quand même, elle a eu une vie compliquée, ça se ressent un petit peu dans l'oracle, dans ses oracles. Allez, du coup on va aller chercher un message love love. Allez les guides, on fait des checks avec les guides. Déjà, oui, je ne vous ai pas dit. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Voilà, ça me fera plaisir. Plus on est fou, plus on rit. Franchement, allez voir ce que je fais. Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me suivre, à liker, à commenter, etc. Voilà, je vous embrasse. En tout cas, déjà, si vous arrivez sur ma vidéo, allez, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui ? Ce 9 août. On va faire une coupe déjà. Allez, on se concentre un peu. Arrête de jacter. Quel message ? La solitude. Ok, ouais, ok. Je vois un peu l'idée. C'est simple, en même temps, c'est marqué dessus. Le passé. Le passé. On jette la clé du passé. Soit vous êtes vraiment encore dans un moment où vous devez conclure. J'ai le mot conclure qui vient. Conclure quelque chose du passé. De toute manière, on vous dit de jeter la clé du passé. On exte le passé. Le passé, c'est fini, c'est derrière soi, ok? Mais peut-être que pour le moment, il y a cette idée encore, soit vous vous sentez trop seul, soit par le passé dans vos relations, même en étant en couple, vous vous êtes toujours senti seul. Peut-être que également dans cette incarnation, malgré tout, même si vous êtes entouré, il y a un sentiment de solitude qui résonne en vous par rapport à des vies passées, par rapport à des choses, peut-être par rapport à des différences, par rapport... Vraiment, il y a des choses comme ça, peut-être qui me viennent. En tout cas, il faudrait avancer. Là, on vous dit, il faut avancer, il faut laisser le passé là où il est, fermer complètement cette porte. Et j'ai un peu, ça résonne un petit peu avec le message, je crois, que j'ai eu hier pour le portail. On exte le passé, vraiment. Je crois que c'est un message que j'ai récurrent en ce moment. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut vraiment fermer cette porte. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire, je crois, sur ma dernière vidéo qui demandait si une porte s'ouvre automatiquement. J'ai envie de dire que oui, mais il faut vraiment avoir fermé l'autre d'avant. D'accord ? Donc là, on est dans un
pour moi, hein, parce que pareil par rapport à hier, ce que j'ai vu, on est vraiment dans un... J'ai le mot tunnel, mais vraiment dans une transition pour aller vers autre chose. C'est vraiment là, en ce moment, le travail que vous faites. La transition. Blessure, ok. J'ai dit qu'on était plus positif que les oracles, disait Belser. Et là, du coup, solitude, blessure, ok. On n'est pas super positif pour le coup. Enfin, on vous dit quand même que voilà, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Moi, je suis sûre, en tout cas, je ne vais pas y arriver. Allez, on prend 5 cartes avec celui-là. Ouais. Je veux des cartes qui sautent. Bon, j'allais dire bordel. Allez, les guides. Ah, ok. Non, ben non. Ah ben non. Ah ben non. Ben non. Je vais vous montrer, mais non. Alors, attends, on va prendre 3 autres. Ok. Ok. Ok, bon. J'en prends peut-être 2 autres pour avoir plus de renseignements parce que là, c'est... On va en prendre 2 autres. Hop là. Non, celle-ci, elle n'a pas sauté vraiment. Allez, on prend 2 autres. Ok, une... Et 2, ok. Oh, bah. C'est très bizarre parce que du coup, on a les blessures et on a le retour du passé. Donc, en ce moment, peut-être que ça vous retravaille. On vous dit, pourtant, il faut vraiment laisser le passé là où il est. Et je pense que du coup, c'est ça qui bloque en ce moment parce que. Parce que ça vous travaille encore. On a les nouvelles et on a la rupture. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rupture. Ou peut-être par rapport des nouvelles par rapport avec quelqu'un avec qui vous avez rompu. Quelqu'un du passé qui essaye de revenir. Quelqu'un avec qui... Alors, j'ai la carte mariage. Peut-être avec qui vous avez été proche. Ok, pas forcément marié, mais proche. Et j'ai une nouvelle rencontre et j'ai une réconciliation. C'est vraiment très bizarre du coup parce que c'est comme si on était entre deux feux. Comme s'il y avait deux choses entre en même temps le futur qui essaye absolument de passer, de se frayer un chemin, et le passé qui... Non, oui, c'est ça, le futur, j'ai dit. Et le passé qui veut pas vous laisser tranquille. Je pense que c'est l'autre personne qui... même si vous essayez d'avancer, l'autre essaye de renvoyer des signaux. Que ce soit des signaux dans la matière ou que ce soit des signaux énergétiques, parce que ça peut être juste des pensées par rapport à vous. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez été lié, mariage. C'est quelqu'un, peut-être pour certains, avec qui vous avez été marié ou quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a vraiment eu des choses par le passé, dans cette vie, dans d'autres vies. Et du coup, cette personne, pour l'instant, il faudrait qu'elle vous laisse tranquille, je crois. Mais c'est pas... Chacun est dans son avancée et du coup, la guérison des traumas. Chacun est dans ses avancées et peut-être que vous n'êtes pas... Je pense que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde quand vous étiez ensemble ou en contact. Et pas encore parce que du coup, pour le coup, là, vous essayez de partir. Le passé, on laisse le passé au passé et cette personne, elle essaye encore de retenir. Ok ? Donc, il faudrait couper, mais... l'évidence. Bon allez, on fait une coupe avec l'oracle du coup de Stéphanie Abellan. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Quel message? Oula! La guérison des traumas. Ok, la guérison... Ah bah on a la lune, la star lune nette derrière. La guérison des traumas. Il y a des... C'est peut-être que ce passé, là, si cette personne, elle revient à vous, là, maintenant, enfin, que vous ressentez, c'est peut-être que, voilà, on est... Elle, c'est pour vous guérir de vos traumas. Peut-être qu'à vous d'être forte pour dire non, stop. Stop, non. C'est fini. Je ne retourne pas dans ce schéma. Stop. Énergétiquement, on dit stop. Ok ?
la relation miroir problème. C'est vraiment en fait quelqu'un, peut-être le passé où vous avez, voilà, on vous dit problème, on vous dit que ça n'a pas été clair, ok ? Ça n'a pas été clair et il ne faut pas. Même si cette personne revient, il ne faut pas. Indépendance, ok. Allez, 5, on en prend 5. 5 qui sautent. À la rupture. L'indépendance, la rupture, ok. On est bien sur ça. Hein. Vous avez repris votre indépendance sur quelqu'un. Sur quelqu'un avec qui c'était un lien d'âme, hein. C'était l'éloignement. Voilà, on vous dit stop. On vous dit stop. Par rapport à cette personne, on vous dit stop. Même si elle essaye de revenir, même si elle pense à vous, ben c'est trop tard en fait. Enfin, je veux dire, et puis c'est pas pour. C'est peut-être, je pense que si vous y retournez, alors je dis pas à jamais, même si je veux pas vous mettre dans l'attente, mais là, je pense que si vous retournez maintenant en arrière, ce que vous avez fait sera servi à rien. Il faut vraiment continuer en fait, être fort et on dit stop au passé. Pour moi, il y a autre chose qui va venir, les deux cartes. Pour moi, il y a autre chose qui arrive. Hein. Donc vraiment, pour pouvoir laisser cette porte ouverte, il faut vraiment fermer celle d'avant. Ok, bon. Là, on vous parle vraiment de cette relation. J'ai l'indépendance. J'ai la rupture, ok. Donc, on a rompu. Éloignement. On a rompu parce qu'on s'est éloigné. On s'éloigne après avoir rompu. En tout cas, il faut s'éloigner. Le temps à part. Je pense qu'il faut vraiment, là, avec cette personne du passé, vivre... chacun de, pour l'instant de votre côté, parce que c'est relation houleuse, donc c'est la relation miroir, les problèmes relation houleuse. On vous redit encore une fois que non, c'était pas quelqu'un, c'était pas pour le moment en fait, c'est avec cette personne, même si c'est un lien d'âme, hein, c'est très certainement un lien d'âme, c'est pas possible parce que voilà, c'est pas prêt. La vitesse d'évolution, c'est pas prêt. Vous voyez, il y a la vitesse d'évolution n'est pas la même pour vous et pour l'autre. Donc contrat d'âme, trahison, sincérité. Peut-être que chacun de vous a l'impression d'être trahi alors que chacun de vous était sincère. C'est comme s'il y avait juste une incompréhension. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez retourner ensemble, mais ça veut dire que pour l'instant, en fait, vous ne parlez pas la même langue. C'est comme si on a un qui parle anglais et l'autre qui parlait chinois, en fait. Donc, self-centered, on se remet sur... On se recentre sur soi-même. Allez, on prend 3 cartes, là, encore, avec celui-là. Et 1. Vitesse d'évolution, ok. J'ai pas dit tout le paquet en même temps. 2. La relation miroir, hein. La guérison des traumas, le blocage karmique. Pour l'instant, avec cette personne, il faut guérir les traumas. C'est peut-être pas complètement fini dans le sens où il faut guérir les traumas, mais je sais pas comment expliquer, parce que en même temps, on vous dit de passer à autre chose, et en même temps, on vous dit que là, pour l'instant, il faut encore guérir les traumas avec cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous remettre avec, vraiment pas. Hein. C'est que pour l'instant, c'est encore en guérison. Hein. Allez, on finit avec le mien, du coup. Je vous parle de positivité. Et là, de dire que les oracles d'Isa vont plus sur les problèmes. Et là, c'est exactement ce qu'on a, en fait, du coup, sur ce tirage. Pour l'instant, amour. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir avec le mien? Allez, un message pour l'avenir, les guides, s'il vous plaît. Un message positif pour l'avenir, pour que mes... followers repartent avec le cœur rempli d'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va... Ok, la récolte. Merci. Allez, on fait une coupe. Hier, j'ai demandé une carte. Je veux l'ange, j'ai eu l'ange. Ah, ben là, je veux l'amour avec un grand A. Allez, l'amour avec un grand A. Un blocage. Avec les hommes, avec l'homme. Ah là 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 là, ce blocage. Patience, patience, patience.
Non, bah dis donc, ça saute, hein. Travail sur soi, on est... Enfin, faut, voilà, le travail. Allez, on fait une coupe, j'ai dit. Parce que là, du coup, ça saute de tous les côtés. Le mien, il glisse bien, il saute bien. On doit se libérer de quelque chose. Prison, on est, c'est fermé. On doit tourner la page. On doit tourner la page. On doit vraiment tourner la page. Allez, on prend 5. Et après, tournez cette page. Guérissez de ces traumas. Parce que c'était pas, c'était pas quelque chose de bien pour vous. Même si c'est pas quelqu'un qui voulait vous faire du mal, ça en a fait quand même. Allez, 3. Quatre. Et une dernière. C'est le dé. Ouais, si je vais prendre celle-là parce qu'elle a pas vraiment. Elle a sauté, mais. Allez, alors. Vous allez déployer vos ailes, ok? Il faut. Patience, petit papillon. Pour l'instant, tu es encore chenille dans des choses, guérir des traumas. Peut-être que tu vas avoir de l'aide pour ça, pour déployer tes ailes. Peut-être un soin, peut-être autre chose. Moi, dans mon cas perso, par exemple, là, je vais m'engager dans une formation. Et je pense que cette formation, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous dirai plus tard, mais elle va vraiment... c'est pour me former moi, mais dans le descriptif, c'est indiqué qu'on en apprend beaucoup sur nous. Et du coup, je pense que vraiment, ça va m'être utile. Et je pense que c'est ça que ça dit. Être dans la gratitude avec l'univers pour pouvoir repartir sur autre chose. Ok ? Donc, il va falloir, je pense, que vous trouviez, vous, votre clé pour guérir de ces traumas. On a eu la guérison des traumas plusieurs fois avec cette relation de miroir. On a encore le blocage là de l'homme avec les hommes, avec l'homme ou l'homme qui est bloqué en dos du deck. Pour l'instant, vraiment, il y a du blocage. Dans le tirage d'hier, j'avais vu quand même qu'il y avait une idée de 6 mois. Donc c'est pour ça que je pense que le message, il résonne pareil. Hein. Je veux dire, je ne vais pas vous dire complètement des choses différentes par rapport à hier. Regardez d'ailleurs la vidéo du portail 888, c'était sur celle-ci, me semble-t-il. Ou dans les petites vidéos d'une minute. Mais voilà, pour l'instant, on est sur ce travail, on est sur cette libération du passé, mais il va falloir trouver comment vous pouvez vous libérer de ce passé. Okay ? Et une fois que cette porte est complètement fermée, l'autre aussi, il va falloir qu'il ferme la porte. Hein. Peut-être que c'est aussi, le fait que je vous dise l'autre aussi, il va falloir qu'il ferme la porte, peut-être que c'est aussi pour vous, en fait, l'univers vous redit, est-ce que tu as vraiment compris? Est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu sais vraiment où tu veux aller maintenant? Parce que j'ai eu pareil, un message hier, je crois que c'était sur Instagram, on ne savait pas trop, on était un petit peu dans le flou en ce moment. Donc j'ai vraiment cette idée-là d'être dans le flou un petit peu en ce moment. Et du coup, il faut continuer à guérir ces traumas et ça va s'ouvrir. Et après, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Pour les gens qui sont dans le flou, vous qui me regardez, si vous êtes dans le flou artistique, au niveau sentimental, c'est peut-être normal, c'est peut-être l'étape qui veut ça et ça va s'ouvrir. Essayez de trouver un soin, quelque chose qui vous parle, qui vous fasse avancer. Du transgénérationnel, les constellations familiales par exemple, de l'hypnose, de la sophrologie, peu importe. Dans mon prochain oracle, il y aura des cartes conseils qui vous indiqueront quoi faire, mais il n'est pas sorti. Allez, du coup, je vous embrasse fort parce que du coup, je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse sainte amour et je vous dis à demain. Gros bisous.